we'll get hung over. I think I've done my time, though I am guilty. Allez, hein, on a une matinée à finir. Ça tourne. Ils ont un 6 sur 5 deuxième, je vais calmer. Et tourne. Action! Dès qu'on arrive chez Elias Gates, ça saute aux yeux. La piscine, le mobilier, les gadgets à été des allos. C'est pas avec un salaire ou de cœur qui respecte tout ça. Des mouvements suspects sur ses comptes? Rien. Mais à force de chercher, on a fini par trouver un corps. Comme on est en saison 2, on porte quelque chose maintenant. Chacun nos personnages, qui fait que, voilà, quelque chose nous échappe certainement. Mais il faut être d'une grande vigilance pour pas... Voilà, dans chaque situation, dans chaque séquence, on a toujours 4, 5, 6 enjeux différents. Il y a l'enquête, il y a la relation qui évolue entre les personnages, puis il y a les nouvelles informations, il y a le ton de la situation et de l'enquête, qui est souvent grave, sérieuse et même assez trash, et il y a cette dose de distance qui est nécessaire, hein, que moi je vis quand on va faire... Des petits tours chez les flics pour apprendre un peu comment ça fonctionne. Ils ont ça dans des situations où les médecins, ils ont ça, ils ont cette espèce de distance qui leur permet de supporter ce qu'ils vivent au quotidien. Ça c'est pas évident de pas faire potache. Ça c'est un des enjeux voilà, de d'être dans la comédie mais de pas cabotiner, parce qu'autrement on échappe l'enquête, c'est-à-dire que c'est plus sérieux. C'est plus sérieux, on est quand même, on traite quand même des informations. Bon. Tant pis pour la coopération policière, on va appliquer les méthodes Cain. Ouais, tu pars pas d'ici sans dire ce que tu comptes faire. On enquête, ce nom de l'enquête, et elle se passe sur les docks. On ne partit pas au commandant Vivienne et encore moins à ce vol. Vous venez, les amoureux? Coupez. Merci. Alors, rentrez le ticket, s'il vous plaît. Merci, monsieur Marco. Reste sur... Oui, je vois parce que tu découvres. Le petit chaton était encore dans la gorge, donc on va refaire juste à la fin, hein, au moment où tu t'en vas, Bruno. Ok ? Je n'ai pas ce qui branle, j'ai cherché tout le monde. Ok, on reprend donc... Tu parles pour moi. Rien. Donc c'est Bruno qui lance, bien tant pis pour la coopération policière, d'accord ? On reprend à ce moment-là. On le fait tout de suite, le pick-up. Tu dis rien, on s'embranle, on attaque. Je prends la coupe barre et j'attaque. Vous pouvez nous parler de votre rôle dans le cas, hein ? Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Mais vous aviez pas pris ça la dernière fois, non ? Bah oui, mais là c'est la saison 2. Ah oui, c'est, tu penses que ça a complètement changé? Non, mais c'est exactement pareil, ça n'a pas bougé. Hein. Même d'ailleurs, on me demande si ça n'a pas un peu... Quand on tourne comme ça chaque jour dans le SRPJ, il faut qu'on réinvente sans arrêt la mise en scène dans les locaux, quoi. Bruno, s'il te plaît, tu peux venir, on va répéter. Allez, on se met en place. Vas-y. Laissez passer Bruno. Donc on essaie de trouver, d'incarner très fort le lieu, l'endroit, de le quotidieniser. Attends, Norédi. On nous communiquera une copie des carnets comptables, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Super. Collaboration policière mon cul. T'as pas vraiment joué le jeu non plus. Ah oui, mais en même temps, quel jeu? On est tous du même bord ou pas? À nous d'être plus intelligents. On peut encore leur damer le pion. Comment? En cramant la couverture de ce connard prétentieux de Wolf? Ils vont déférer Stefano devant le juge sous l'inculpation de proxénétisme en bande. C'est une grande première pour eux. Ils s'en frottent les mains. Mais si on l'inculpe de meurtre, on a la préséance, le témoin nous appartient.
Stefano a de grandes chances d'être derrière ce meurtre. Sans moi. Fred. Fred ! Fais chier, Jacques ! Mais il se passe quoi entre Stefano et lui ? Ils se sont connus à une époque où Karin allait très mal. Mais le monde de Stefano, c'était devenu un peu le sien. Même si on pense aux spectateurs qui vont découvrir Karin avec la saison 2, on a conservé la présentation et les principes fondamentaux de chacun des personnages. Mais malgré tout, ils ont vécu déjà un an ensemble. Donc il y a une évolution dans leur relation. Stefano est un sale type. Même si c'est la BRP qui le coince, ce sera toujours une bonne chose. Poupée. Ouais, les dialogues fusent comme ça, puis c'est toujours ouais, cette vivacité, cette jubilation, enfin, ce espèce de fantaisie, parfois de cours de récré qui est super amusante. Ouais. Fred, écoute, reviens. Tu fais chier, Jacques. Prénom de merde, vas-y. Vous regardez partir. Du film, prénom de merde, c'est pour la prod. Allez, s'il vous plaît, on continue. Bertrand Moretti, c'est quand même plus, tu vois. Jacques. Voilà. Je suis pas sûr que je vais me retourner. Oui. Tchuss. Bye, hey, ciao, bye.